d'emploi non plus, je parle français. Et je viens du sud de l'Angleterre. You know Dunkerque? Vous croyez que tout se joue avant 6 ans? C'est pas moi qui dis, c'est Françoise Dolto. Oui, la pédopsychiatre. Oui, pour ceux qui ont d'autres références, c'est la maman de Carlos. Non, pas le terroriste, Philippe, l'autre. Le poète. Papayou, 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 Lélé. Même si Françoise Dolto nous dit que l'apprentissage scolaire est très important, moi, mes instituteurs, ils sortaient tout droit d'une planète. Oui, j'en avais un, c'est un mélange entre Georges Brassens et Salvatore. Angélique, jusqu'à présent, des poules, tu en avais pas. Non. Bon, revois, je sais que ta maman travaille dans une friterie, Angélique. Il faudra lui dire, lui, c'est pour les frites. Mickaël, tu arrêtes de tripoter ta voisine. Mickaël, tu arrêtes de tripoter ta voisine. Mickaël, tu veux que je t'aide à tripoter ta voisine? Non? Bon, tant pis. Bon, les enfants, vous avez gagné. Interrogation sur reprise. Qui a inventé la cagoule? Vous avez 2 minutes. Je fais le chronomètre. Attention. Tom. Tom. Bon, je ramasse les copies. Qui a inventé la cagoule? Mickaël? Hein? Ouais, c'est ta mère. Ouais, quand elle a vu ta tête. Oui, j'ai été élevé dans la religion catholique pratiquant. Bon, c'est pas grave. Hein. Non, je me souviens, j'allais à la messe avec l'abbé, comment il s'appelait déjà l'abbé? L'abbé Vitré. À chaque fois qu'il l'ouvrait, c'était un vrai commandaire. Et on partait faire des camps avec l'abbé, à bicyclette, dans la baie de Somme, visiter des abbayes, c'était abominable. Et je me souviens d'ailleurs, lors d'une préparation de messe, l'abbé Vitré s'était refermé un double tour, parce qu'il n'avait pas du tout apprécié ce que je lui avais dit. J'avais simplement soulevé l'idée que si Jésus, avait été pendu, la décoration dans les églises n'aurait pas été la même. Tu sais, toi, t'imagines, tu serais arrivé. Oh, pardon, Jésus, pardon. On te disait aussi cette phrase parce que ton épion fait souvent semblant de loucher. Puis là, t'as tes parents qui disent arrête, c'est un courant d'air, tu vas rester comme ça. Bon, bah, moi, j'en ai déduit que Joe Dassin et Dalida avaient souvent chanté en extérieur.